Bonjour. J'ai oublié. Oh, le Seigneur m'a vu. Pour une bonne fois dans la vie, j'ai bien dormi. Pas de moustiques, hein? Pas de cafards. Ou c'est Parisa qui a couché les moustiques dans la maison ici. Oh. Maman. Ou c'est elle qui pissait les cafards. Oh. Oh, tu dis seulement les cafards. Tu as mis ces ronflements ou avec ces mauvaises odeurs. Quand je te dis que c'est la fille là qui faisait sentir la chambre si tu pensais que je manquais. Je te dis que j'ai dormi jusqu'à, je me suis réveillée à 5 heures. 5 heures. D'habitude, je dors même jusqu'à 9 heures parce que je n'ai pas bien dormi la nuit. En train d'aspirer les mauvaises odeurs. Et dit que non, Dieu est grand. Et te jure que Dieu est grand. Seul Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a fait que la femme n'a pas d'enfant. Parce que la femme elle est mauvaise. Elle est mauvaise, elle me dirait qu'il n'est même pas bien. Maintenant qu'elle est partie, c'est nous qui reprenons encore les rêves ici à la maison. Maman, ça fait combien de temps que je n'ai pas rêvé. Mais cette nuit, j'ai quand même rêvé. Que non, Super était avec moi jusqu'à un jouet. Ah, ça veut dire que c'est pas que ça qui bloquait soit mes rêves. Mmh. Donc, quand il faut penser à quelqu'un, ça Super. Quelqu'un qui ne pense même pas à toi. Je suis sûre qu'avec qui est en train de parler, c'est là. Elle est en train de se réveiller avec une dernière blanche qui n'a pas de nom. L'intérêt va te tuer. Quel intérêt? J'ai dit que le. L'intérêt va te tuer. Je gagne quoi dans vos bêtises? Tu gagnes quoi dans vos bêtises? Tu veux que je sorte seulement avec le cordonnier parce que il y a tes babouches déchiquetées. Lui au moins, je suis sûre qu'il est ici au pays. À tout moment, je peux partir là-bas. Tu ne peux pas chercher ton cordonnier. Surtout que la dernière fois, je sais pas, tu avais dit que tu avais ramené les mangues ici. Mais je suis quand même passé là-bas, j'ai vu un mangue devant sa porte. Là où il couche souvent ces choses-là. Je peux souvent aller moi aussi ramasser les mangues là-bas. Un doigt. Oui, un doigt. Un doigt. Tu demandes. Tu as même vu Robier? Non. Ouais. Mais où? C'est la femmelette. Là où? Il est en train de dormir dans sa chambre. Je te jure qu'il l'a abattu. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Ouais, pardon. Quand tu veux me parler des choses, ne me parle plus de Rob. Parle si c'est que il a abattu, ne me parle plus de ça. Si, mais si c'est qu'il est en train de danser, parle-moi de danser. Ça. Regarde-moi quelqu'un qui a abattu. Il peut danser. Je te jure que c'est la première fois que je vois Rob comme ça. Qui m'a alors? Tu sais qu'il aimait vraiment la femme là, je ne te manque pas. Qu'il lâche prise. Il attend encore quoi? Pourquoi il ne veut pas. Qui m'a? Il faut qu'on trouve une solution pour ça. Pourquoi? Il faut qu'il se remette en couple avec une autre femme. Il faut qu'il cherche une nouvelle femme maintenant. Tu es malade dans ta tête. Il revient encore avec Kongana dans la maison ici là. Tu ne peux pas dire que Suzy, comme tu t'es réveillée là, encore dans la marche, on commence à chercher une femme pour elle. Je ne veux plus une femme qui ne va plus me plaire dans la maison ici. Je veux qu'une femme que moi-même je vais ramener de mon goût. Mon goût que moi-même j'ai choisi à Oise. Et tu vas trouver la femme là où? Oui, c'est mon nom à Oise. Ne me pas. Tu dis que je veux trouver la femme là où comment? Non, je veux savoir. Hein? Tu vas trouver une femme qui va venir au lieu de respecter son mari. Elle va venir plutôt respecter sa belle-sœur. Attends. Bon, nous sommes président de la République. Ne me parle pas. Bon, tu connais mon cordonnier là, non? Mm-hmm. Il y a sa grande sœur. Elle travaille. Elle lave le dos. Elle vend le dos. Façon, le gars est d'abord noir. Comme le pantalon que tu portes là. Sa soeur va ressembler à quoi? Tu insultes ma belle famille. Ta belle famille est super. Tu as oublié. Ou bien tu veux que je te rappelle? Non, Suzy, dis-moi un peu. Façon, ton corps est d'abord noir. Le gars, lui, ça lui mesure c'est 2 mètres ou c'est combien? Voilà. Et sa soeur va ressembler à quoi? Jusqu'à tu vas nous amener un masque de je ne sais quel village ici. Voilà, alors une femme brune qui est venue ici, elle t'a fait quoi? Elle t'a partagé les gifles, non? Regarde comment ton visage est derrière les bosses. Que ce soit les gifles de cristal. Je t'ai dit, non? Je vais t'envoyer l'onction de bâton, même comme elle est partie là. Comme tu es toujours en train de combattre ce que j'ai dit là, tu vas à Wanda. Comme tu ne veux pas réfléchir avec ta tête, ma belle soeur, la soeur du cordonnier là, elle est au moins, je peux parler, comprendre. Il faut une femme que on parle, on demande, on dit, fais ceci, elle va faire. Donc elle doit marcher à notre rythme.
Continue, c'est en train d'écouter. Tu es en train de m'écouter et tu fais les comme quelqu'un a l'asthme. Bon, je disais donc que tu vois ma belle-sœur. Ma belle-sœur, ma belle-sœur là, elle n'a pas fréquenté, elle est comme nous. Donc c'est quelqu'un, nous sommes même passables parce qu'elle ne s'exprime même pas bien. Même si elle arrive ici à la maison, elle nous parle avec les gestes, on va comprendre. Donc c'est quelqu'un qu'on peut manipuler facilement, on peut créer les motifs. Donc quand on a besoin d'argent, on parle avec elle, elle pas voir le grand frère. Elle n'est pas quelqu'un qui est compliqué comme la fille brune là. Hein? Et regarde. C'est quelqu'un qu'on peut facilement manipuler. Donc on dit qu'elle lave nos sous-vêtements, elle va laver. C'est une fille qui est calme. Oui, tu as raison. Ce que tu es en train de dire là, tu vois, non? Tu as raison. Je te comprends parfaitement bien. Mais toi-même, regarde un peu Rob. Avec son gabarit, sa beauté, son charisme et son élégance. Avec toute son école qu'il a eu à faire là. C'est une électrique que tu veux ramener sur la maison. Il écrit toi-même. Une alpha. Quelqu'un qui ne connaît même pas comment on écrit son nom. Il écrit toi-même. Je te comprends. Tu es jalouse. Tu n'as jamais eu une belle famille dans ta vie. Voilà pourquoi tu es en train de faire ça. Bon, ton robe et toi là, avec votre élégance, avec votre charismatique là, tout ça est dans l'eau. Il est venu avec quoi? Hein? Tu as chassé sa femme, non? C'est moi. Bon, avec son charisme là, il a ramené une femme qui est tatouée brune, non? La femme là est où? Tu as chassé la femme là, non? Mieux, je ne vais pas prendre la villageoise qui va respecter Suzy, mon frère. Suzy, réfléchis encore. Je t'avais dit, il y a Chantal. Elle est belle, elle a les formes, même si elle s'est arrêtée. Je ne veux pas une femme qui a les formes plus comme moi dans la maison, si. Je ne veux pas une femme. Voilà mon appartement, mais voilà qu'on est venu décrire cela. On est parti avec l'engrais. Donc tu veux encore une femme qui va venir avec ça là, ça me dépasse. Ah, tu es jalouse. Tu es jalouse de moi. J'ai toujours su ça. Je suis jalouse de toi que tu as. Pour mon appartement meublé. Quoi, tu es jalouse. Ce que le colonel passe temps à balancer là comme c'était le ballon. Toi, moi j'ai un moins sans coordonnée. Toi, tu as qui? Toi, tu as qui? Parce que pour le moment, je ne veux pas mettre la pression à mon benguiste. Comme tu le connais, tu as la pression. Vivons sans dormir. Rêve sans dormir. Quel benguiste peut te draguer? Il saoule, John dit. Si je te donne pas l'argent, tu vas te coiffer. Quel benguiste peut te draguer? Suzy, le jour que tu. Les sangs sont comme ça, la sang soutient. Suzy, toi qui? Ne me parle pas. Tu vois que je te dévoile tes secrets ici. Moi, je connais tes secrets. Hein? Il connaît tes secrets. Il bamba comme toi. C'est moi qui te dis bamba. Tu es bamba. Tu peux te dire. Je veux dire au crâne que tu fais le poteau. Attends un peu. Je veux dire au crâne que tu fais le poteau. Moi, je fais le poteau. Tu fais le poteau. Attends, tu veux que je te rappelle. Tu veux que je te rappelle. Et t'avais prouvé où avec Moussa l'autre jour. Et ça fait quoi? Toi, tu as le colonel. Toi, tu as le boutiquier. Toi, tu as le valet de Kosa. Tu as le valet de Soya. Tu connais le tout. Non. Tu les connais, non? Ou à quoi bosser pour poteau? Mais ça, les sommes, oui, je sais pas. C'est pour moi là-bas, ça te regarde pas. Bordel. Bordel. Aussi. Mais regarde. Avec un béton. On est Moussa. On est Pierre. La jalousie, la belle, tu vois. Pourquoi tu veux? Tu ne manges pas soit le soya là. Tu ne manges pas soit le soya là. Regarde comme elle pue là-bas. Merci. Ich, sans chose. La jalousie va te tuer. Quand Bengis peut t'accepter, en marchant que le gourmet a été écrasé, tout est passé. Quelqu'un est toujours là. Je vais donner, je vais chercher. C'est elle qui a tous les hommes du quartier. Oui, Mustapha, c'est elle. Alidou, aussi Samidou, c'est elle. Le cordonnier, c'est elle. Le vendeur de soya, c'est elle. Jusqu'au boutiquier, c'est toujours elle. Et c'est moi qui traite de bordel. Elle ose me traiter de bordel. Franchement, l'exemple vient d'où? Si ce n'est pas d'en haut, ce que tu fais, c'est ce que ta personne va poursuivre aussi. Elle va faire la même chose. Le cordonnier est là. C'est là-bas que madame passe tout son temps. Oui, c'est elle qui parle de super. Quel super? Quel super? Pendant qu'il faut le laisser super aller là-bas en train de vivre sa vie en paix. Super, monter, super, descendu. Alidou, c'est toi. Bonjour. Mustapha, c'est toi. Bonjour. Ah, les autres. Bonjour. Bonjour, grand frère. C'est même quelle façon que tu entres souvent dans la chambre des gens comme si tu partais à l'auberge. C'est quoi ton problème? Tu ne peux pas toquer avant d'entrer.
Si tu venais me trouver ici en train de placer la garniture, tu allais faire comment? Hein? Non, moi je n'aime pas ton comportement là. Ce n'est pas la couche du roi Pétou ici. Écoute, petite sœur, je pense que tu as parfaitement raison, mais en toute honnêteté, je tiens à m'excuser. Non, ce n'est pas que j'ai parfaitement raison, je dis que j'ai raison. Ok, tu as raison et je m'en excuse véritablement. En fait, le problème c'est quoi ici? C'est que, voilà, je ne sais même pas, je ne sais quoi dire. Parce qu'en toute honnêteté, je suis dans un autre état, c'est tout ce que je peux vous dire. Résumez-vous ici que je n'ai même pas dormi hier nuit. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je passe le temps à réfléchir, à me poser les questions. Si vraiment j'ai pris la bonne résolution. À un moment donné, je suis en train de penser que je n'aurais pas dû laisser partir cette femme comme j'ai eu à le faire là. Crystal est la seule femme jusqu'ici, franchement, qui a été proche de la perfection dans ma vie. Mais sur un coup de colère, je lui ai dit de s'en aller et voilà, je n'arrive pas à dormir, j'ai les nerfs qui tirent. Sincèrement, je ne sais quoi faire. Ouais, ça fait vraiment mal, car frère, j'ai de la peine pour toi, je t'assure. Mais tu veux que je te donne un conseil? Hein? Tu veux un conseil? Je t'écoute. Va entrer dans la mer, tu meurs une fois. Tu ça veut dire quoi? Va entrer dans la mer, tu meurs une fois. Parce que c'est la dernière femme qui reste ici sur terre. J'ai mal, je n'ai même pas bien dormi. Vous savez que vous deux là, je doute toujours de vos connaissances dans le ventre de ma mère. Vous deux ici. Parce que vous avez les... Donc je vous jure que c'est comme si c'est un marabout. Est-ce que tu sais que tu es la cause de mon problème avec ma femme? Est-ce que toi, tu sais que tu en es la cause? Est-ce que je ne vous parlais pas ici à la maison? Tu as dit quoi? J'ai dit Suzy. Oui, dis Suzy. Je parle de Suzy. C'est pas que tu parles d'une personne après derrière, tu mets elle. La lâcheté va te tuer dans ta vie. Okay, y a pas regarde un enfant fait par un marabout. Je suis en train avec de vous dire, si j'ai laissé Crystal s'en aller, ok, c'est pas parce que vous avez d'excellents comportements. Je l'ai fait juste parce que j'ai été fâché du fait que son oncle soit venu vous passer à tabac avec une machette. C'est juste pour ça. Qui est allé prendre l'oncle de Crystal si ce n'est pas ta sorcière de Ponganasi? Vous êtes là, je ne sais même pas. Qui est allé la sorcière? C'est toi qui étais allé le prendre. C'est toi. Venir à la maison. Quoi? C'est ce qu'elle dit. Je le connais. Je l'avais à la vue quelque part. D'ailleurs, je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis en train de sortir. Je suis en train de sortir là. Je vais voir un ami. Et en passant, je ne vous comprends pas. Depuis l'arrivée d'Agathe et Patrice dans cette maison, c'est le même drap bleu si qui est sur votre lit. À un moment donné, changez même un peu, non? C'est vous qui avez le mauvais comportement. C'est vous qui êtes sale. C'est quoi ça? Qui ferme la bouche? C'est moi qui ferme la bouche. Regardez votre lit. Vous êtes sale. Regardez votre chambre. Regardez. Grand frère, nous sommes sales. Vous êtes sale. Ta femme était incapable de laver tes gras. Tu es nous traiter le sale. Et qui les lavait? Je sais. Ah, elle ne faisait pas sur la machine. Ah, ok. Donc au moins, elle les lavait. Mais vous, que faisiez-vous? C'est notre gras. Et d'ailleurs, regardez. J'espère que tu t'es le jour où tu as fait ça. J'espère que le jour qu'on a acheté les gras, là, tu étais là. Et tu sais qu'on avait pas. On avait ce qu'il y a père. La même couleur. La même couleur. Toi, tu n'étais pas là. Non, la déesse va te rendre fou. C'est la femme. Ok, il n'y a pas de problème. Non, moi, je vous dis, parole. Je vous dis une chose. Tu n'es pas mon ami. Comme je vais monter là, franchement, restez changé derrière moi. Il faudrait que vous me prouviez que j'ai eu raison de faire partir Crystal. Parce que à un moment donné, si je regrette seulement le fait qu'elle soit partie, d'ailleurs, je le regrette déjà abondamment. Regardez. Je pense que je repartirai la chercher. Et elle viendra dans sa maison. Tu dis qu'on et vous partirez. On reste chargé. Nous sommes les biens les 10 000. On reste chargé quoi? Tu ignores que même si on enlève le gras, ça va toujours mettre le même gras que c'est 4 paires de gras. Pourquoi toi tu les chutes? C'est comme si ta tête fonctionne seulement avec les piles. Et quand ça devient foiré. Tu regardez. Regarde, quand Patrice est avec tes traits. C'était comme ça. Regarde la semaine prochaine, voilà la chambre, c'est là, ça va changer. Moi, ferme ta bouche. Regarde, il y a quoi? Il y a les choses là. Regarde comment c'est bien classé. Regardez. Même ta chambre n'est pas propre comme ma chambre. Ta chambre, votre oui. chambre, ta chambre. Je ne suis pas tu ne sais pas, tu ne sais pas que les femmes de ton âge ont déjà des maisons qu'elles gèrent. Elles sont dans le bagnage. Tu ne sais pas que tu es en train la de vieillir. La surprise va te surprendre. Je vous ai dit, j'ai un terrain. C'est elle qui a cette terrain. Voilà les noms de tes chambres. Regarde la bordel. Elle fait la prostitution. Akakou et Alouak le Boué Bamba. Des prostituées dans la maison. Vous allez partir. Bordel. Vous allez partir.
Ça, je vous le dis. Oui. Montez, descendez. Je vais vous faire partir. Je vais d'abord parler à papa. C'est dans un jour. Vous avez l'esprit de mon âme dans les tous les cas, je suis en route. J'ai dit, je suis en route. Vous gardez un œil. Là-bas au salon, j'arrive. Si tu m'énerves, j'envoie la voiture te cogner. Que je ne vous trouve plus là. Où? Vous êtes prévenu là. Moi, la bouche, même la bouche, ça m'a bien fatigué. Okay. Là, tu me vois là. Sois donc fatigué. Et quand je passe, toi, elle me passe ta folle de soeur, si la belle. Elle me casse trop les oreilles. On t'appelle qui là? Ça tombe même bien comme il n'y a personne ici. J'ai le droit et le pouvoir et le devoir de t'étrangler ici là. Tu meurs. Tu sens? Ça sent quoi? Si ça ne sent pas la mort, c'est quoi? Attends. Il a dit que je vais nettoyer ton visage ici avec mon coup de poing. Et la prochaine fois que tu vas me parler, comme tu m'as parlé là tout à l'heure, et citer les noms de mes gars, Blanche, Rip. Donc tu reconnais quand même. Tu vas mourir. Il a dit que tu vas mourir avant ton grand frère. Dis-moi un peu, tu n'as pas souvent mal. Ferme ma lèvre. Pas, tu fais comment pour encaisser tous les gars là? Hein? Tu fais comment pour encaisser tous les gars là toi seul? Moi je préfère de supporter 10 hommes en une nuit ou 1000 francs ou 1000 francs. Il va te dévoiler. Il a dit que. Il va même. Auguste 10 hommes une nuit. Il va me parler fort. Tu peux me parler fort. On parle même. Tu parles même sur un cristal comme ça. Tu vois cristal. Tu as vu cristal un jour faire le poteau. Parce que je te défends un peu à la maison si tu te crois tout permis. Hi, bordel comme ton frère. Maman, les chèvres là. Elle va vous dévoiler. La personne qui vient mal, je dévoile ton secret. C'est comme ça. Tu viens parler de mes gars. Tu vois mes gars. Les fumeurs de tabac qui passent le temps à coucher avec toi toute la nuit là. Elle dit qu'elle est brune. Tu sais qu'elle est brune. Elle va acheter le cirage. Elle veut ouvrir encore sur toi. Sauvage. Blanche, c'est quelle façon ça? Hein? J'ai fait quoi? Même moi-même qui suis le chef de maison, je ne m'assieds pas sur les rebords des chaises et tout. Tu t'assois sur le bord de la chaise et tu prends ton sale pied, tu poses sur la table carrément. Hein? Grand frère, je ne te permets pas d'insulter mon pied. Ne crête même pas mon pied de sale. Quand ta femme posait son pied sur la table, tu ne parlais pas. Mais quand c'est moi, tu parles. Putain, attends, aussi. Ma femme, c'est ma femme, toi, c'est toi. Tu es oui, ma femme. Ta femme. Mes choses lui appartiennent. Hein? Ta femme, c'est ta femme. Moi, c'est moi. Nous, on a le même sang. Bien, tu as oublié. Elle, ce n'est qu'une parfaite inconnue qu'on ne sait même pas d'où elle vient. Blanche, arrêtez un peu ce chantage-là. Arrêtez avec ça. Je vais répéter une chose ici. Oui, c'est une parfaite inconnue. Je peux faire des enfants avec toi. Elle est capable de me donner des enfants et tout, tout au moins pour cela. Et je réitère toujours ici que la parole de Dieu est claire. Elle dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et quand on parle de son père et sa mère, ça veut dire quittera sa famille. Et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On est où là? Hein? Ouais, grand. Et je parle là toujours le pied posé là. Mais ça va faire. C'est quoi ça? Et tu assises là? Grand frère, tu as parlé d'enfants. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Hein? Quelques mois. Toi-même, tu n'as pas encore l'âge d'accoucher. En quelques mois, tu n'as pas l'âge d'accoucher. Je connais quoi? Combien d'ovulations, de périodes d'ovulation elle a traversé? C'est ton problème? Je n'ai pas encore l'âge. Attends. Mais en quelques mois, tu connais le nombre de personnes qui peuvent accoucher. Remets-moi ça. Remets-moi ça très vite. Donne-moi ça. Ça fait quoi entre tes mains? Ça fait quoi entre mes mains? Comme elle n'a pas visionné. Vraiment. Donc, tu n'es pas fatigué? Tu es fier de toi là de tenir une nouvelle télécommande entre tes mains après avoir eu à casser l'autre. Hein? Oui, après avoir cassé l'autre. C'est bien. Tu veux déjà aussi casser celle-ci. L'autre jour, tu faisais semblant de gronder papy, c'est ici là, donc tu ne m'avais pas cru.
Et tu dis que ce n'est pas moi, tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Je sais ce dont Patrice est capable de faire et ce que toi tu es capable de faire. Donc tu es en train de dire que c'est moi qui avais cassé la télécommande. Je suis très sûr. Je dis sûr à 99,99,99%. Je vais dire 100% que c'est toi qui as eu à casser cette télécommande-là. Tu es en train de me prouver que non, la femme est plus importante que moi. Oui, c'est que tu es en train de me montrer. Attends, ma femme, c'est ma femme. C'est moi qui fais son choix. Je n'ai pas choisi. Écoute, je vais te dire une chose. Une femme, moi, j'ai fait le choix de la prendre dans ma vie. Ça veut dire que c'est moi qui l'apprécie, qui la drague et qui vais vers elle. Toi, je ne t'ai jamais choisi comme ça. C'est la nature qui t'a imposé à moi. C'est Dieu qui t'a imposé à moi. Tu comprends ça? Donc, quelque part, ma femme est plus importante que toi. Ce n'est que le sang qui circule dans tes veines là, voilà. qui circule dans le truc. Elle ne veut plus te voir. Dis-moi, tu allumes la télé, tu zappes, tu prends la télé. Comment tu la poses sur la table? Entre Dieu. Elle veut ton mal, tes mains. Oui, entre Dieu et le diable, tu préfères qui? Le diable, c'est qui? Non, dis-moi, entre Dieu et mais le diable. Mais je suis un enfant de la lumière, je suis l'enfant de Dieu. Voilà, tu préfères Dieu, non? Oui, et. Moi, tu as bien dit que c'est Dieu qui a fait que tu fasses ma qui connaissance. T'a imposé à moi, oui. Voilà. Mais elle, alors, ce n'est pas le diable, c'est qui? Regarde-moi ça. Non, ce n'est pas le diable, donc, c'est qui? La parole de Dieu qui dit là que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Quand je suis allé m'attacher à elle, c'est le diable qui avait. Ne me touche pas. C'est le diable. Parce que si c'était Dieu, c'est qu'elle a empêché la maison. Le matin mais comme ça, même. Tu as compris que vous ne pouvez pas faire pour être ensemble. Je dis, le matin comme ça, tu as déjà eu à faire tout ça. Donc, tu viens t'asseoir là, tu regardes la télé et tout. J'espère tout au moins ce que j'ai demandé de faire. Tu as déjà eu à faire ça. Je fais ça. Je lève les dents. Je suis ta j'ai femme. J'ai faim. Je mange. Je suis ta femme. Je me sers à manger. C'est moi, je suis ta femme. Va récupérer ta femme. Hein. Tu n'as pas les esclaves ici à la maison. Mais toi, j'espère. Tu as laissé une bonne ici à la maison. N'importe quoi. Viens, il m'arrache la télécommande. Viens encore arracher ça. Ça veut dire quoi? Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Deux grandes filles dans la maison, attends un peu. Ça a commencé. Hein? Blanche et Suzy, c'est très tôt là. C'est quoi ça? Mon ami voulait qu'on mange quelque chose là-bas chez lui. J'ai dit non. Je vais rentrer sûrement. Il y aura à manger à la maison. J'arrive là. Les mamites sont comme ça là et tout. On va s'en sortir à ce rythme-ci. Mais les filles, si se prennent un bouquet à la fin. Hein? Si ça se trouve, Crystal avait même raison. Hein, qu'elles ne veulent rien faire. Donc, elles sont là couchées. Moi, je fais tout pour elles. Je cherche de l'argent, je fais tout. Mais elles sont là. Donc, elles sont des reines. Hein? Ça ne va pas se passer comme ça. Toi que j'ai laissé avec les pieds sur la table, là, il faut que tu appelles ta soeur. Vous me dites même à quoi vous servez dans cette maison. On ne peut pas vivre comme ça. C'est quoi ça? Elle est même là. C'est quand elle mène chez ta femme. Tu peux aller récupérer ta femme. Tu n'as pas laissé les esclaves ici. Bizarre. C'est quelle histoire qu'est-ce ça? Que je vois là. Mais. Blanche. Blanche. C'est toi que j'appelle, non? Donc, depuis que je suis sorti, vous n'avez pas fait à manger. Je sors, je reviens, je te trouve plutôt assise là, avec ma télécommande en main, en train de regarder mon téléviseur. Mais pour faire à manger, vous ne le faites pas. On ne mange pas dans cette maison. Hein? Tu me regardes, je t'ai posé la question. Tu es en train de me fustiger du regard par rapport à quoi? Je t'ai posé une question. On mange quoi? Grand frère, quand tu sortais d'ici là, tu as laissé une esclave ici à la maison pour te préparer à manger. Merde. Hein? Quand tu es même sorti, mais tu dis que tu devais revenir avec une ménagère. Tu veux nous poser la question, c'est quoi nous sommes tes boniches? Regarde, là où tu es là, tu peux maintenant partir récupérer ta femme. Elle peut souvent venir nous faire manger si elle repart, c'est quoi? Faire quoi? Nous faire à manger puis elle repart. Tu n'as pas laissé une femme ici à la maison ou bien une bonne pour te faire manger. C'est quoi? Tu te prends de manière cruelle. Attends, je dis elle blanc. Ah, grave, ne me dérange pas, je suis fatigué. Vous prenez même pour qui? Parce que j'ai de l'amour pour vous quand vous faites ce qu'on fait là. Quel amour? Hein? Quel amour? Donc parce que j'ai de l'amour pour vous, parce que je suis faible à votre endroit, parce que je me dis non, vous êtes mes seules soeurs, je n'en ai pas eu d'autres. C'est comme ça que vous vous comportez. Je vais dans la marmite pour me servir à manger, chose que je ne devrais même pas faire. Étant donné que vous êtes là, je dois trouver la table faite comme ma femme faisait ici, comme elle la dressait. Hein? Tu es assise là avec la télécommande et tout. Ta grande soeur. Suzy! Merde, je vous laisse ici, vous ne faites rien. Ouais, grand. La maison est là en désordre comme elle est là. Pourquoi tu bavardes même comme ça? Suzy! Tu parles là comme même la pine n'est même pas comme toi. Tu as laissé ménager ici à la maison. Suzy! Hey! Suzy! Chaque jour. Je sais que tu l'entends, hein. C'est comme ça. C'est quoi? Je sais que tu l'entends, tu viens ici très vite. Va récupérer ta femme, tu la
ramène ici. Ferme ta bouche. Va la récupérer. Nous ne sommes pas des ménagères. Je vous dis, je suis sûr que ma femme reviendra si vous partirez. Ça, je vous le dis. Suzy, tu t'amènes ici vite. Elle va seulement revenir en esprit. En esprit, comme je dis là. C'est ta maison, non? C'est ta maison. Maison. Je vais commencer à vous frapper dans la maison aussi. Hein. Vous me suivez? Surtout toi là, avec ta peau rouge là. Je vais commencer à te fouetter dans la maison aussi. Comme tu es assise là. Tu comprends ça? Je vais bien te fesser. On est où là? Tu ne pouvais pas d'abord fesser ton mille pattes qui était dans la maison ici là. Ne fesser. Tu veux fesser qui? Donc tu entendais même comment je. Tu t'as dit que Nyomo là, il est Nyomo. Tu es grande déjà? Oui. Tu es grande, hein? Oui. Quand Eric vous a mise à plat ici, pourquoi vous n'avez pas rejambé? C'est devant moi. C'est devant moi que vous rejambez. Tu es là, tu es hypocrite. J'étais là? Oui. Tu es là, stupide. Et attends, depuis que Eric est venu nous fouetter ici, tu as fait quoi? Attends, je devrais faire quoi? Non, comme toi. Je devrais faire quoi? Même lever et aller l'arrêter aussi. Et le taper. Écoute ce qu'il dit. Il dit qu'il fallait qu'on reste lui faire manger. C'est pour ça que j'appelle. Tu vas fermer ça là-bas, t'as pas parlé. Oui, c'est bien de lui parler. Parce que sincèrement, je vais te poser cette question-là. Et que tu es comme lui. Ferme la bouche et tu m'écoutes. Ne crie pas sur moi. Tout à l'heure. Interdit de crier sur moi. Suzy, je vais m'énerver. Mais vous me connaissez. Vous savez très bien de quel bois. Tu fais quoi? Tu es en train de faire quoi? Ah. Tu es en train de faire quoi? Pourquoi vous voulez me pousser à bout? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous pose encore. Je ne veux pas que quelque chose se passe ici aujourd'hui-là. Parce que je dois, normalement, je devais me reposer. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Et ne dois pas parler dans la maison si aujourd'hui. Mais Suzy, comme tu vas toujours pousser à bout, attention. Suzy, quand je suis sorti de cette maison, je vous ai laissé dans la chambre. J'ai eu à vous dire ceci. En rentrant, j'aimerais bien vous retrouver où? Au salon. Voilà. Après avoir eu... Écoutez. Après avoir eu à faire les travaux. Quels travaux? Maintenant, j'arrive. Je vais à la cuisine. Non seulement je trouve la sorcière sur le bord de la chaise. J'ai déjà parlé, ne comprends pas. Elle continue de s'asseoir là, ma télécommande entre ses mains. Et puis plus loin, j'arrive, je vais à la cuisine. Les marmites, comme ma femme avait eu à les laver, sont posées là sur la gazinière. Personne n'a fait quoi que ce soit. Et pourtant, il y a la nourriture dans la maison. Il y a les réserves dans la maison. Ce n'est pas comme s'il manquait à manger. Vous ne faites pas à manger. Je t'appelle même, tu es dans la chambre. Tu ne me réponds pas. Je pose la question. Grand vous frère. Croyez que je vais vivre de... Je vis comment dans la maison aussi? Grand frère. Oui. Tu veux manger quoi? Je veux manger tout ce qu'il y a, je veux manger. Tu veux manger quoi? Il y a du poulet, il y a du pot, il y a tout au frigo. Mais tu ne veux pas tes mains, non? Moi, je ne veux pas ta bouche là-bas. Tu ne me parles même pas, je ne t'ai même pas adressé la parole. Je ne vous ai pas demandé de vous que l'air. Qu'elle me laisse tranquille. Tout ce qu'il y a, je veux manger du poulet. Il y a... Je veux manger du poulet. Tu as demandé mon avis. Moi, je ne peux pas manger le poulet. Attends, il demande ton avis en tant que qui? C'est toi qui rationnes dans cette maison? Hein? C'est toi qui rationne, mais c'est moi qui. C'est moi qui rationne, c'est toi qui dois préparer. Et quand tu prépares, c'est moi qui dis le menu que je dois manger parce que je suis le chef de la maison. Bon, moi, je n'ai pas envie de manger le poulet. Je ne peux pas manger. Ferme ta bouche! Va te faire manger, je ne suis pas ta ménagère. Demande à celle de me laisser. Attends, je parle de ça. Non, mais coupe-lui la parole. Va te faire manger, tu as les mains, tu as les pieds. Écoute-moi. Ta femme est... Quand moi, je ne peux pas te préparer à manger sans goûter. Et comme moi, je ne veux pas manger le poulet. Donc, mieux. Je prépare ce que moi je veux manger. Tu vas encore manger quoi pour la deuxième fois? Vous savez quoi? À ce rythme-ci, je vais vous dire une chose. Il y aura deux options. La première, soit j'irai reprendre ma femme et vous mettre dehors. Ouh. La seconde, soit dès que la nourriture s'est finie, dès que les réserves seront épuisées. Je vais commencer à prendre mon argent et aller manger au restaurant. Hein? Comme ça, vous allez rester ici. Vous n'aurez rien à manger. Regarde-moi bien comme tu me regardes là. Je t'explique comme ça, c'est pas grave. Il y a la marchandise dans la maison ici comme ça. Tu veux mettre quoi? Il y a la marchandise ici comme ça. Quelle marchandise? J'ai dit qu'il y a la marchandise. Touche un peu à une chose dans cette maison. Parce que je te vois venir. C'est tellement erreur. On est où là? Qu'est-ce qui ne va pas? Manger le poulet. Tu veux que le poulet me donne le filet. Il dit que le grand frère bavarde déjà. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Même la radio ne parle pas pour vous. Radio, crois-toi, c'est toi. Tu parles de croire. Et toi, Somba, comment est-ce au bout? Bang, bang. Regarde-moi ça. C'est le. Ce sont les fesses là que tu vas manger. Oui. Ça, je le dis. Il y a la marchandise dans la maison. Il y a la marchandise. Je suis pas la femme de quelqu'un qui a ménagé une personne ici à la maison. Comme je sors là, je vais dire comme j'entre là. Je vais dans ma chambre. Je vous donne en tout et pour tout une trentaine de minutes.
Quand je vais repartir à la cuisine, il faut que je trouve une marmite qui est en train de mijoter le feu. Le feu, ça, je vous le dis. Je ne veux pas savoir ce que vous allez. Vous allez me tu ne vas rien trouver. C'est ce que tu me dis. Tu me dans les filets. Voici. Tu m'as même bien regardé. Je vous ai parlé. Ne faites pas ça. Comme toi, tu me dis le poulet te donne les filets, c'est ton problème. J'ai dit, je suis le chef de la maison. Et c'est à moi de choisir. Je suis la chef de la maison. J'ai la liberté d'aller récupérer ta femme. Elle dit soit enfin à manger, puis elle rentre chez elle. C'est ça, non? C'est tout. Tu sautes de là. C'est tout. Tu sors, tu vas à la cuisine. Ça, je vous ai prévenu. Toi, Suzy, comme je ne te comprends même plus dans la maison-ci, je ne sais pas ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Parce que là où il faut bagarrer, c'est là où tu ne bagarres pas. Là où il faut faire la guerre, tu ne fais pas la guerre. C'est toujours sur moi que tu veux venir faire ta colère là. Et t'as fait quoi? Hein? Je t'ai fait quoi? Tout ce que tu me fais subir, t'as fait quoi? Dis-moi un peu. Je m'adresse à toi. C'est toujours comme ça, les enfants qu'on a failli avorter sont toujours comme toi. Eric, avec ta face comme le gratois, Mayou Bozon, quand t'as dit t'es comme pour la pierre éclatée. Tu as parlé. Qu'est-ce qui m'a souci? Tu es ma soeur. Tu es ma soeur. On ne va pas faire ce que tu es en train de faire là. Regarde comment tu m'arrêtes la vie. Si Patrice était là, elle devait faire comment? Si Christian devait faire ça, ça va se passer comment? Ça va se donner les armes aux gens de revenir nous tuer à domicile. Tu me pousses. Il fallait encore rejimber. Allez, toque chandelle ici là maintenant. Ton caleçon va aller se déchirer. Peut-être que tu ne me connais pas. Et tu entres à la cuisine, tu commences à piler le pain. C'est comme ça, je ne mange pas le poulet. Ça me donne le filet. Tu veux marier le poulet. Tu cherches les blancs ici. Hein? Tu penses que si tu étais le poulet, c'est que qui te mange? Que poulet.